on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous sommes soit le 10 novembre, soit que le 10 novembre est passé. Comme vous le savez, depuis cet été, je suis démonstratrice Stampin' Up. Et j'ai la chance d'aller on va dire, au rassemblement Stampin' Up on stage à Paris cette année. Enfin, chaque année de toute façon, je crois que il y en a dans chaque grande ville européenne et aux États-Unis. Voilà, donc du coup, je suis inscrite et donc je suis super contente. Et donc, le but du jeu, c'est d'être tout ensemble, toute la journée, de bricoler ensemble, de discuter, d'apprendre beaucoup de choses, de découvrir les nouveaux catalogues, les nouveaux produits. Enfin, je suis très impatiente, ça dure toute la journée et j'y vais avec deux personnes, avec la même et l'équipe de choc comme d'habitude, Aurélie et puis Cindy. Voilà, donc le but, pour celles qui connaissent Stampin' Up ou qui sont démonstratrices, c'est de faire un swap. En fait, un swap, c'est vraiment un échange de quelque chose qu'on a créé, qu'on a fait nous-mêmes, en plusieurs exemplaires. Donc c'est vrai que pour démarrer, on avait conseillé donc 50, mais il y en a qui font 100, 200, 300 petits cadeaux à offrir. Moi, pour moi, c'est... Alors, je ne veux pas dire que c'est impossible parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre et que j'ai réussi à en faire 50. Mais pour moi, enfin, ça fait un coup. Alors déjà, ça fait un coup, ça fait vraiment beaucoup de travail, sachant que j'ai encore beaucoup de choses derrière. J'ai un calendrier de l'Avent, j'ai des cartes d'anniversaire, j'ai des créas à faire pour ma chaîne. Enfin, je bosse quand même 40 heures par semaine, je peux pas, voilà, je peux pas tout faire. Donc, 50, je trouvais que c'était bien, que ça pouvait faire un bel échange, c'est-à-dire que je reviendrai avec 50 petites choses. Donc je m'étais fixé au départ que tout rentre dans ce carton, et en fait j'ai dû rajouter un petit carton, sinon c'était trop écrasé. Bon bah tant pis, de toute façon je prendrai mon sac. Donc voilà, je vais juste vous montrer en fait ce que j'ai fait avec mes petites mains et mes petits sous. Et voilà, donc j'ai d'abord, au début je suis partie là-dessus, donc j'en ai créé 24 en fait. Ça fait comme des marque-pages de Noël, là, puisque j'ai fait un fond ho ho ho, avec un sucre d'orge coloré, avec du rouge bien sûr pour rappeler le rouge, mais vraiment coloré. Et ça j'en ai fait en fait 24, voilà. Donc j'ai vraiment fait tout ce qui est, ça fait beige et rouge en fait surtout, voilà. Mais je voulais quelque chose, voilà, c'est très coloré. Voilà. Donc c'est bien sûr qu'avec des produits Stampin' Up, hors le sucre des cannes, on est d'accord, hein, ils ne vendent pas de bouffe. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. J'en ai fait 24 en fait, comme ceci. Et vraiment à la chaîne, ceux-là. Et en fait, j'en ai fait 24 et après je me dis bon, il m'en manque 26, donc je vous avoue, j'en ai fait 28. Donc j'en ai fait, voilà, deux de plus. Je suis un peu tombée amoureuse du papier, je crois que ça s'appelle Fleurs glacées du nouveau catalogue automne-hiver. Je voulais faire quelque chose avec ça. Et en fait, j'ai fait des petites enveloppes ouvertes, en fait des petites pochettes où dedans on met un Kinder. Je suis restée dans la. Ah bah t'es celui-là, il faut que je le. Non, c'est bon. Voilà, je suis restée dans la gourmandise et j'ai fait donc dans des papiers divers. Et faut que leur... Il y en a plusieurs que je viens de reprendre et là, il faut que je les reprenne encore. Et je vais les reprendre un par un parce que là, ils ont le poids du Kinder. Voilà, vous voyez des papiers. Ouais, faut vraiment... Je vais les reprendre les uns après les autres. J'en ai repris 4-5, ceux de devant. Et voilà. Et donc, c'est. Voilà. Avec un Kinder, un petit nœud. Passe une belle journée. Ouais, comme celui-ci. Voilà. Donc, j'en ai fait donc 26 ou 28, je sais. En fait, là, j'ai un doute. Non, 28. J'en ai fait 28. Non, c'est ça, j'en ai fait 28. Je vais en reprendre pas mal parce que du coup avec le poids des Kinder, ça s'est ouvert, je vais les reprendre. Mais voilà, donc c'était vraiment, voilà, pour vous montrer l'idée que j'ai eue, que j'ai fait, que j'ai cherché. Et voilà. Et avec le papier, donc la gamme de papier, de tampons que j'ai donc utilisé. Voilà. Donc j'ai utilisé vraiment que la même gamme de papier. Le même tampon, les deux perfos, la perfo comme ça, étiquette et la perfo nœud. Donc voilà ce que j'ai fait pour On Stage du mois de novembre 2018. Je suis très impatiente de vous montrer, parce que si ça vous intéresse, enfin, c'est quelque chose que je compte faire, donc dites-moi si ça vous intéresse.
Je compte vous filmer tout ce qu'on m'aura donné en échange. Donc, ça peut vous donner énormément d'idées en fait, de petites bricoles, de cartes. Ils font des cartes, on peut faire des ATC, des boîtes, des marque-pages. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec du matériel en fait. Stampin' Up. Bon, bah, on va arrêter de blablater et sur ce, je vous fais des gros bisous gourmands et à très vite. Tchuss!